par la maison Marie-Elisabeth, dont 7 qui sont encore ici actuellement, au nom des 180 bénévoles de la maison Marie-Elisabeth, des 40 employés de la maison Marie-Elisabeth, ben merci d'encourager la maison par cette activité-là. On annonçait pire que ça comme température. On est chanceux, on est bien contents. Puis de toute façon, je me disais, 4 heures de pluie, même s'il pleut, même s'il fait frais un peu, c'est rien comparé à ce que beaucoup de gens vivent quand ils viennent ici. Donc, en pensant à eux, même s'il fait pas beau, même si on est en boîte, même s'il pleut, ben on peut se dire qu'on est chanceux pareil. Hein? Puis on va avoir du fun, ça va être une belle journée. Je veux remercier, je vais commencer par le président d'ici, Steve, qui est aussi le commanditaire majeur pour les 5 prochaines années. Steve. Merci. Je veux remercier aussi l'équipe de Vélo plein air, Carl, merci beaucoup. Martin est où? Tu es là, Martin? Salut, Martin, je ne te reconnais pas, je suis le même. Et bien entendu, Jonathan et Daniel de Desjardins qui assument la présidence d'honneur pour les 3 premières années du challenge. Donc, on sait qu'on est là. Bon, on est là pour tout le temps, de toute façon. Alors, on va trouver quelqu'un d'autre après. On sait qu'on est là pour plusieurs années. J'ai un petit merci spécial à faire. Diane, qui est une infirmière auxiliaire ici, s'est inscrite au challenge. Elle a ramassé plusieurs centaines de dollars pour le challenge, mais elle ne peut pas le faire parce qu'elle remplace quelqu'un ici aujourd'hui. Puis, elle ne le sait pas, mais on lui donne un... Parce qu'elle s'est inscrite, même si elle ne le fait pas. On trouve qu'elle mérite quand même d'avoir ça. Et la bouteille aussi. On va penser à elle un petit peu pendant qu'on est. Merci. Merci, Diane. Et moi, en retour, vu que je fais le challenge auprès des malades, j'ai amené le livre. Depuis que l'ouverture de la maison, il y a toutes les personnes qui sont décédées ici sont inscrites. Et la page sur le dessus, j'ai amené la page qui est au poste, qui représente les malades qui sont présents dans la maison présentement. Dont M. Day qui est avec nous, ou M. Lavoie, que son garçon va faire avec vous. Et moi, en signe de solidarité avec vous, ben, je me suis entraînée depuis le mois de juin, je m'entraîne, fait que j'ai emmené mon casque de vélo pour être avec vous autres. Elle a même acheté un vélo pour la faire. J'avais acheté un vélo aussi. Ben, merci, puis bonne journée. C'est Jonathan, tu voulais-tu dire un mot? Oui, bien sûr. On aurait dû se parler parce que ton discours ressemble au mien, mais c'est pas grave, je vais faire ça vite. En réalité, ben merci tout le monde. Je serai pas long parce qu'il fait comme beau, on va en profiter pour partir. Donc, il y a Daniel avec sa famille qui est ici. Daniel, c'est mon associé, c'est avec lui que je suis partenaire. Puis c'est nous qui, pour les 3 prochaines années, on trouvait qu'une année, c'était peut-être serré. On voulait se donner la chance que cette activité-là puisse se développer puis qu'il y ait une certaine forme de pérennité. Puis nous, le vélo, ben, c'est quelque chose, ben, en tout cas dans mon cas, qui me passionne. Puis je vous cacherai pas qu'il y a un petit clin d'œil que je voulais faire aussi à un bon ami qui était vraiment passionné de vélo, qui est Jean Albert. Jean Albert, c'est quelqu'un qui est passé par la maison Marie-Elisabeth. C'était la première fois que moi j'ai eu la chance, en tout cas, que j'ai pu venir ici et apprécier les services que les gens, les bénévoles pouvaient offrir aux bénéficiaires. Donc, c'était notre façon, à nous, à moi et Daniel, avec l'activité qui avait été imaginée par Gilles, de donner un clin d'œil à mon bon ami Jean. Donc, aujourd'hui, ça sera peut-être pas facile, mais pensez à quelqu'un qui a passé par ici, puis vous allez voir que c'est rien. Donc, soyez prudents, ayez du fun, c'est pas une compétition. Et puis, si vous avez besoin d'aide, gênez-vous pas pour demander à votre collègue. C'est parti!